Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Nous sommes le lundi 21 janvier. Voici les titres. La 89 est en service. Depuis ce matin, nous connaîtrons les impressions des premiers usagers. Des signes morts retrouvés au bord du Rhône, nos journalistes ont enquêté sur ce mystère. Et nous connaîtrons aussi le programme des rénovations de l'Hôtel Dieu, bâtiment historique lyonnais. C'est fait, la 89 est ouverte aux automobilistes. Lyon n'a jamais été aussi proche de Bordeaux. Inauguré ce week-end, le dernier tronçon de l'autoroute A89 a été mis en service ce matin. Une ouverture qui fait le bonheur des premiers usagers. Frédéric Bonzon et Alison Pelotier les ont rencontrés. Je suis routier en temps normal et je vais de temps en temps sur Clermont-Ferrand, donc ça va vraiment être mieux là quand même. Et ça évite tous ces ronds-points où nous on est obligé de relancer la machine et tout. Nous on consomme énormément des pneus et du gasoil sur chaque rond-point. Donc là on va effectivement gagner du temps, la sortie de Lyon, non c'est bien. Là j'ai mis quoi, 2,70€, c'est ça? Ça va, je trouve, il y a pire. Démarrage en douceur pour la nouvelle section d'autoroute qui relie la tour de Salvani, dans l'ouest lyonnais, à Balbigny, dans la Loire. 50 km de voies rapides qui ont coûté 1,5 milliard d'euros aux autoroutes du sud de la France et qui rapprochent un peu plus les agglomérations de Rhône-Alpes et d'Auvergne. Rouen-Lyon, il faut à peu près une heure avant la mise en service de cette autoroute. Là, on gagne une bonne vingtaine de minutes, voire plus, selon l'itinéraire que l'on emprunte. En partant de Clermont-Ferrand, si vous voulez rejoindre Lyon, il vous fallait passer par Saint-Étienne ou alors emprunter la route nationale 7. Et aujourd'hui, le gain est estimé à 30-40 minutes selon le point de départ qui est le vôtre. ASF fixe à 20 000 véhicules jour les estimations de trafic sur la barrière de péage de Saint-Romain-de-Popé, la première au départ de Lyon. Mais un chantier reste encore en suspens pour boucler le projet global de contournement de l'ouest lyonnais. Aucune jonction n'est pour l'heure prévue pour accorder l'A89 à l'autoroute A6, distante de 6 km. Le projet se heurtant toujours aux réticences de communes concernées par une éventuelle future liaison. À 67 ans, Daniel Schussville vient d'être choisi pour présider le Conseil général du Rhône. C'est la première fois que cette place revient à une femme. Cet élu du canton d'Amplepuis succède à Michel Mercier, élu maire de Thizy-les-Bourgs. C'est un phénomène que les spécialistes ont du mal à expliquer. Cela fait maintenant plusieurs mois que des cygnes du Rhône sont touchés par une mortalité mystérieuse. Maxime Lelon et Guillaume Bernillon se sont rendus à Sobrenat dans l'Ain pour tenter de trouver des éléments de réponse. Algues toxiques, qualité de l'eau, actes de malveillance, les analyses s'enchaînent et aucune explication n'a encore été trouvée pour comprendre le mal qui affecte les cygnes du Rhône. C'est ici, entre le barrage de Chautagne et la commune de Sobrenat, que la Compagnie nationale du Rhône a signalé une mortalité anormale. Depuis le mois d'octobre dernier, ce sont des dizaines d'oiseaux qui ont succombé sans raison apparente. Pour le moment, seule la piste de la grippe aviaire a été écartée de manière certaine, mais le cygne herbivore que les spécialistes s'accordent à qualifier de robuste peut souffrir de sous-alimentation à ces périodes hivernales, une sous-alimentation susceptible de mener vers d'autres maladies. Vous avez souvent des herpès virus qui peuvent cibler certaines espèces dans les palmipèdes. Hein. Un jour, ça va être les colverts, un autre jour, en effet, les cygnes. Pourquoi, ça, on ne le sait pas. Mais en effet, de toute façon, ce sont des virus qui se baladent de temps en temps, comme ça, après, sans gravité en général, hein, mais qui ciblent en effet une espèce et qui va s'arrêter du jour au lendemain, comme elle est arrivée. L'activité de l'homme qui peut aussi être à l'origine de cette augmentation de la mortalité chez les cygnes, mais la thèse des pollutions industrielles et agricoles sont d'ores et déjà écartées. Une contamination de l'eau aurait en effet touché d'autres espèces. Quant à un acte de méchanceté envers cet animal protégé, pour le moment, rien ne le laisse présager. Inédit en France, Lyon s'est équipé du réseau 4G en novembre dernier. Pour autant, ce n'est pas pour aujourd'hui que les Lyonnais pourront téléphoner dans le métro comme les Parisiens. Aucune couverture réseau ni d'accès Internet ne sont disponibles pour les usagers et ce n'est pas prêt de changer. Mais après tout, est-ce que le téléphone est indispensable sur les lignes de métro? Chloé Gibert et Marie de Meulner sont allées vous poser la question. Non, ça ne serait pas un avantage, pas forcément, parce que je pense que les trajets sont trop courts. Donc moi, j'utilise ça pour mon travail. Et je pense que c'est beaucoup trop court pour travailler. Oui, complètement. On peut toujours recevoir un appel important où qu'on soit, et dans le métro, ben, c'est super important aussi. Non, je trouve pas, c'est pas très important, parce que le plus long trajet, ça dure pas, même pas une demi-heure. Donc on peut vivre une demi-heure sans téléphone.
C'est un avantage, mais c'est toujours pareil. Je trouve qu'aujourd'hui, on en fait trop. Enfin, c'est toujours... tout est trop possible aujourd'hui. Après, bon, il y en a qui s'arrangent bien pour leur travail et tout, mais pour la majorité des gens, c'est un luxe, quoi. C'est superflu. Et si le réseau téléphonique ne s'étend pas dans le métro, c'est avant tout pour des raisons financières. Avec un budget de 1 milliard d'euros, la priorité pour le Citral est actuellement l'automatisation de la ligne B et son prolongement jusqu'à Oullins. Et après l'alerte à la bombe dans le métro lyonnais vendredi, qui a obligé 40 000 personnes à évacuer, un colis suspect a été découvert ce matin sur un quai de la station de métro Guillotière. La ligne D a dû être évacuée et arrêter son service pendant quelques heures de la station Gare de Vaise à la station Grange-Blanche. La police était sur place ainsi qu'une équipe de déminage. Il y a 50 ans, Konrad Adenauer, et Charles de Gaulle signaient le traité de l'Élysée. L'objectif, améliorer la coopération franco-allemande dans les domaines de la défense, de l'éducation et des relations internationales. Aujourd'hui, il est l'heure de fêter l'anniversaire de la signature. Flora Chaduc et Valentin Noël se sont rendus au Goethe-Institut où des manifestations étaient organisées pour montrer une Allemagne plus jeune et plus actuelle. Du hast übrigens Post bekommen. Von deiner Mutter. L'allemand n'est pas qu'un cours au collège. À travers un héros de 12 ans, une classe découvre la culture germanique ce lundi après-midi. L'histoire se déroule à Berlin et les élèves de 6e explorent une nouvelle ville, l'occasion de changer leur vision de l'Allemagne. Quand on évoque l'allemand, pour eux, ça leur fait penser à Hitler, les nazis. Enfin, même en venant dans le métro, il y en a qui m'ont parlé de ça. Et enfin, voilà, ils savent pas bien à quelle époque ça correspond, si c'était il y a longtemps, si c'était il y a pas longtemps. Et c'est vrai qu'il faut qu'on leur remette un petit peu des repères, parce que pour leur dire que voilà, l'allemand, c'est pas ça. Cette projection entre dans le cadre de la semaine franco-allemande organisée par l'Institut Goethe. Grâce à différentes manifestations, les responsables tentent de promulguer la culture germanique autrement. Ça leur montre des choses qu'ils ne connaissent peut-être pas. C'est plus ludique que, je sais pas, que la grande politique, que leur cours à l'école, pour donner un peu quelque chose de vivant aux échanges entre les deux pays. Dans cet esprit, une exposition retrace l'histoire franco-allemande depuis plus de 25 ans à travers des caricatures du dessinateur Plantu. Ils étaient près de 200 dimanche à nager dans les eaux froides du Rhône. Le défi était organisé par le club de plongée lyonnais Thalassa. L'objectif était de traverser Lyon à la nage avec des palmes. Marie Lénaud et Alexia Ferret ont suivi cet événement insolite. Combinaison, palmes et bonnet de bain, c'est l'équipement indispensable pour traverser Lyon à la nage. L'eau était pourtant à 6 degrés et ils étaient 193 à se jeter dans le Rhône, une participation record cette année. Donc je viens accompagner mon club et on en a beaucoup parlé de cette compétition et je voulais essayer. Pour moi c'est un petit peu un challenge, essayer au moins une fois dans la vie quoi. Le départ a été donné à quelques mètres de la cité internationale. Les concurrents ont traversé Lyon en nage libre ou pour certains accompagnés d'un hydrospeed, ces flotteurs en polystyrène. Au total, 8 km de nage dans les eaux du Rhône pour arriver à hauteur du pont Pasteur à Gerland. Au départ, on sent le froid, le temps de se réchauffer. On espère que ça va pas être. On va ressentir le froid tout le parcours comme ça. Mais au bout d'un moment, ça va bien. Il y a la fin qui est un peu longue parce qu'il y a un espace entre les deux derniers ponts là et ça paraît assez long. Mais pour ma part, j'étais en groupe, on était trois, on est restés ensemble, on a discuté un petit peu. Alors arrivée, distribution de chocolat chaud et de café après 1h30 de baignade en moyenne et 51 minutes pour les meilleurs. La chapelle de l'Hôtel Dieu fait peau neuve. La Fondation du patrimoine lance une campagne de restauration de cette œuvre du patrimoine historique lyonnais. La fin des travaux complets est prévue pour fin 2014. Soufiane Naïmi et Étienne Guinet nous livrent les secrets des restaurations. Il va falloir faire le tri entre les peintures qui se décollent et la saleté qu'il y a dessus et conserver cette peinture tout en enlevant la saleté et surtout en retravaillant après les peintures à froid pour garder malgré tout une lecture du vitrail. La restauration des vitraux de la chapelle de l'Hôtel Dieu a commencé. Pollution intempérie ou dégradation naturelle, les causes de tels dégâts sont multiples. L'intervention d'experts est donc nécessaire afin de rendre à ces vitraux leur apparence d'origine. La technique a très peu évolué, ce sont les outils qui ont évolué.
Donc au lieu de souder avec un fer rougi au feu, ben, on va souder avec un fer électrique aujourd'hui. Mais la technique elle-même n'a pas changé. Donc nous avons des verres de couleur qui donnent la couleur, la peinture qui va opacifier la lumière et faire apparaître un visage, une main, une feuille, ce que l'on veut. Et cette technique n'a pas changé depuis le 9e siècle. Après l'extraction de chaque morceau de verre, vient ensuite un nettoyage précis et méticuleux de toutes les parties afin d'enlever la saleté incrustée sans abîmer la peinture. En fait, on soulève les ailes, on enlève la pièce et on recoupe une pièce un tout petit peu plus petite et on la remet et on rabat les ailes. Voilà. Donc si un particulier casse un verre dans son vitrail, il est possible de se déplacer et de ne pas enlever le vitrail, simplement faire on appelle ça un repiquage. Pour terminer, des artistes viennent déposer un dernier coup de pinceau afin de rendre son éclat d'origine au vitrail. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle édition du JT. Très bonne soirée à tous.